Allez, viens, ma chérie. Putain, maman, j'ai la flemme. J'en ai marre. Puis en plus, il y avait un mec à côté de moi, il arrêtait pas de ronfler. Et il avait des flatulences, ah. Il arrêtait pas de péter, je te jure. Allez, passe, ma chérie, passe. Ah, j'ai trop la flemme. C'est par là, il est là, les taquets. C'est pas loin. Ouais, oula, oula, Kratos, c'est pas un problème, t'inquiète pas. On en trouvera, c'est pas un problème. Vas-y, 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 je dois raccrocher, il y a des clients. Ouais, en plus, ouais. T'as maman, t'es sûr oula. Que c'est le taxi, là? On dirait un gangster, là. Bonjour. Oula, 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 personne aux cheveux bleus, mais personne. C'était pour le taxi, c'était pour le taxi. D'accord, mais d'accord, vous voulez aller où, dites-moi? À l'adresse Dubois. D'accord. Michel Dubois. Michel Dubois, d'accord. 49. C'est la pire adresse, mais c'est pas grave, on va faire avec. Montez, ça montez, d'accord, d'accord. Déposez vos bagages, j'ai un peu la flemme de vous mettre les bagages. Bon, du coup... Attendez, je vais mettre le GPS parce que je suis pas très bon, fort en sens de l'orientation, voilà. Attendez. Oui, d'accord. Non, ça c'est à la radio. Non. Voilà, on va pas vous apprendre votre métier non plus, hein. Ok, par contre, ma petite dame, oui, vous allez vous calmer, d'accord. On est pressé, je dois aller travailler, moi. D'accord, très bien. Ah, vous êtes malade. Pourquoi vous êtes malade, ma chère? Je ne sais pas, il faut que j'aille au médecin. Ah là 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 là. Bon bah écoutez, vous venez d'arriver en ville, là, d'après ce que je comprends, d'après vos gros bagages, là. Oui. Ah bah écoutez, bienvenue dans notre belle ville, où on peut sentir la crasse et la mauvaise humeur. Vous pouvez apercevoir, pour la petite fille derrière, avec ses cheveux bleus, l'école. L'école où elle va pouvoir apprendre. Oui, oui. Effectivement, après on arrive à Brook Avenue, l'avenue Brook, où on peut voir nos petits magasins d'ice cream. Là, vous pouvez trouver des glaces, un maximum de sucreries pour votre petite fille. Oui, bon, tout droit. Ah, nous allons bientôt arriver, effectivement. Écoutez. Oui. Le dernier tournant. Et voici. Attendez, c'est ici là. Oui, c'est ici. Attends, j'espère que c'est ça notre maison là. C'est ça, maman. Hein, on est d'accord, c'est ici, monsieur. C'est la maison blanche là. Hein. Non, ce n'est pas celle-là. Regarde. C'est la maison qui est très très moche, qui ressemble à rien. Tu vas vivre ta pire vie, voilà. Mais maman, t'es sérieuse, t'as loué ça? J'avoue. Mais c'est dégueulasse. Non mais avant on avait une belle maison, on avait une piscine et tout. Ah ouais. Mais c'est mais trop chiant. Mais attends, mais monsieur, ramenez-moi à l'aéroport, je repars direct. Hein. Ah, je veux rentrer chez moi. Maman, ma chérie, j'habite pas ici. Ne fais pas ta crise d'adolescence maintenant. Tu viens ici. Oh, putain. Mais par contre, il faut payer. Ah oui, mais maman, t'as oublié de payer, maman. Mais sérieusement, je veux pas habiter ici, maman. Je suis pas d'accord. C'est quoi ça? Je voudrais pas habiter ici, je vous avoue. Bon, du coup, madame, ça vous fera au total un trajet. Attendez, je vais calculer. Tenez, monsieur. Ok, perfecto, ça vous fera 23 dollars. T'as 23 dollars? Allez-y, signez-la, passez-moi les pesos. Vous l'avouez, allez. Tenez, monsieur. Gracias. Bon bah, mauvaise vie, messieurs, dames, enfin, mesdames, plutôt. Allez, ciao. Oui, allez, hein. C'est pas ta crise d'adolescence, pas le nom, hein. Mais t'as vu, il était trop bizarre, le mec. En plus, t'as vu ça sa voiture. Ton futur père, hein. Non, quoi? Rigole. Quoi? Non, je rigole. Quoi, déjà? Attends, déjà que là, le Jean-Claude, là, celui que tu m'as ramené la dernière fois à la maison, là, c'était pas possible. Très joli. Il avait une belle coiffure. Bah, il était juste beau. Mais regarde, même la porte, maman, elle est cassée. Regarde, la porte, elle est cassée. C'est quoi ça? Regarde. Tant pis pour toi. Allez, tu dors sur le canapé, moi je dors sur le lit. Hein. Quoi voilà, en plus, quoi pas j'ai pas ma propre chambre. Attends, je pose déjà ma valise ici. Bim. Attends, je vais la poser là. Hop. Attends. Bien, hein. Attends, alors, t'es en train de me dire qu'il y a qu'une seule chambre là? Oui. Comme je suis en train de voir, j'ai vu. Je dors. Moi, j'en.
Je vais mettre ma monnaie de... Tu vas mettre quoi? Tu vas mettre 5$ dans le coffre-fort? Mais bien sûr. Ouais, c'est vrai que même 5$, là, c'est toutes nos économies, là. Mais 5$, c'est beaucoup, hein. Moi, je peux m'acheter à manger, hein. Et pas ah, bah merci de penser à moi. McDo ou pizza. Avec 5$, t'achètes un Happy Meal. Non, c'est des légumes. On va bien manger. Des légumes? Mais c'est dégueulasse, les légumes, en plus. C'est affreux, j'aime pas du tout les légumes. C'est c'est déjà, c'est pas beau. Tant pis pour toi. Quoi? Si, c'est trop joli. Incroyable. Bah, faudra qu'on fasse un petit tour à l'épicerie du coin, quoi. Parce qu'on a rien, on a rien à oui, graver. Et c'est toi qui vas y aller parce que... Quoi? C'est toi qui vas y aller parce que j'ai mal aux pieds, s'il te plaît. Merci. Ok, bon, j'y vais au moins. En plus, ça pue moisi ici, donc ouais, je vais aller... Tu peux aller chercher des cours. Moi, je vais aller faire un petit sommeil. Vas-y, bah, je vais faire ça, je vais faire un tour. Je reviens tout à l'heure. À plus tard, maman. À plus tard, ma chérie. Attends, je vais te donner. Voilà. En plus, je dois me trimballer avec ça. Aïe, aïe, aïe. Ok, vas-y, bah, vas-y, vas-y. Je vais faire un tour. Au moins, je vais visiter en même temps le quartier. Vas-y, à plus tard. Et ma chérie, ouais. J'étais inscrite à une école. Demain, tu iras. Ce n'est pas des très bonnes fréquentations, alors ne te fais pas trop d'amis, d'accord? Allez, je vais dormir. Parce bonne qu'on nuit. Est plus à ça près, hein. Vas-y, bonne nuit, hein. Bonne nuit. Voilà, on a un petit coca. Eh, hey, mais t'as pris mon coca, là? Oh, c'est bon, t'en as plein des coca, regarde. Ouais, mais c'est le dernier à la vanille, c'est celui que j'allais prendre. Eh ben écoute, t'avais qu'à être plus rapide, hein, j'ai pas que ça à faire. Mais t'es nouvelle, je sais pas d'où tu viens, mais tu sais, on sait pas, on n'est pas sauvages, on n'est pas des sauvages ici. Eh ben écoute, ça va changer, hein, je viens d'arriver, mais t'inquiète, ça va bouger tout ça, hein. Allez, hein. Ah. Bonjour. S'il vous plaît. Merci. Au revoir. Attends, il y a une trottinette là. Allez, hein. Mais c'est ma trottinette! Run. Viens ici! Et re-maman. Oui, mais ma chérie, c'est à qui cette trottinette? T'inquiète, maman, je me suis fait des potes et puis ils me l'ont prêté, c'est cool. Oh, cool que tu t'es fait des amis. Alors, tu vas te laver pour demain, pour que tu ailles à l'école Brookhaven Academy? Tain, mais je suis obligée d'y aller, c'est chiant l'école, je peux pas sécher un jour au moins. Non, ma chérie, il faut que tu apprennes pour avoir un bon travail après. Oui, pour finir comme toi, quoi. Oh, c'est bon, je vais aller regarder la télé, ça me saoule. Oh, quelle indigne fille. Allez, ma chérie, va te coucher. Lave-toi aussi. Ah, oh, c'est bon, maman, va te coucher, t'inquiète, je vais aller me coucher, t'inquiète. Vas-y. D'accord, je vais me coucher. Tu dors, hein? Oui, oui, t'inquiète, maman, vas-y, c'est bon. D'accord. Excuse-moi, tu es ouais. Alexandre, toi? Ouais, ouais, c'est moi. Je suis Véronica, la déléguée de ta classe. La directrice m'a demandé de te faire visiter les cales. Tu viens? Vas-y, vas-y, bah, je te suis. D'abord, pour commencer, ici, nous avons la classe de maths, où du coup va se dérouler tous tes cours. Beaucoup okay, de okay. cours. Ici, on a ta salle d'anglais, la sortie de secours. ici, on a le gymnase pour tes cours de sport et d'athlétisme. Oh, il est grand, il est cool. Et oui. Ici, on a la salle de sciences. Ok.
On a l'auditorium. Où bah, ça, c'est pour moi. Je serai une future star, tu verras. On a des casiers. On a la salle du principal. Ok. Je vais essayer d'éviter cet endroit. Évite, s'il te plaît. Après, si tu as un peu de temps libre, tu peux venir en haut. Ici, on a le débarras. D'accord. On a une petite cantine. J'ai envie de piquer de la pizza, là. Ici, on a les toilettes. Ok. Là, si tu veux essayer de faire de la musique, bah, ici, il y a du piano avec un peu de guitare. En fait. Ok, ok. Et là-bas, il y a de quoi faire de la peinture. Bah, ça, c'est cool. Voilà, je crois que c'est un peu tout. Si tu as des questions, tu peux venir me voir. Je serai souvent en salle de ZD. Ça marche. Bah, je te remercie, en tout cas, c'est cool. De rien. Au revoir. Salut. Hé, hey chef, t'as vu qu'il y a devant? C'est la meuf qui m'avait agressée l'autre fois dans l'épicerie. Elle m'a volé mon coca. Non, mais elle est malade, elle. Hein. Et après, elle m'a volé ma patinette d'escalier. Con, elle est mongole, wesh. Elle a vu, moi, je la faire. Attends, tu parles bien de la wing, c'est là? Oui, wesh. Non, mais t'as vu, ça dégaine, elle a un sac. Oui, j'avoue. Et moi, je t'ai dit, on la prend en filature ce soir. Hein. Non, mais c'est clair. Oh, mais non. Sérieux, là, elle va pas faire la maline très longtemps, en fait. Hein. On va se déguiser, t'inquiète. La meuf, on dirait un mec. L'autre fois, elle m'a volé ma dernière canette. T'imagines, c'était la dernière d'épicerie. Oh, mais la meuf. Non, mais attends, mais elle se prend pour qui, en fait? Pour ça, dernière fois. On va voir, en fait. Hein. Vraiment, elle va le regretter très cher de nous avoir. Ah, bah ouais, elle va la choper. Chef, c'est pour ça, la dernière fois, je t'ai pas ramené la canette. C'est parce que, genre, elle l'avait volée. Ouais. Ouais, bah, tu me dois toujours 1€. T'inquiète. Elle va rien comprendre. On la prend en filature ce soir, t'inquiète. Allez. Ouais, ah, ok. Comment tu le sais? T'as vu ses vêtements? Ouais, j'avoue. Et regarde, il y a la déléguée. Là, on va aller voir la déléguée pour qu'elle nous en dise un peu plus sur elle. Ah, vas-y. Ok. C'est une bonne idée, ça. On va aller voir cette tapette. Hé, la déléguée. Laissez-moi vite vous écouter. Tu vois la nouvelle là-bas? Alexa? Ouais, t'as un terrain bah, ouais, à faire dégager du collège. Mais je ne connais rien sur elle. Je vais juste présenter. Non, mais tu vas faire ce qu'on te dit en fait. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Non. Tu veux jouer à ça en fait? Soit tu l'as fait dégager du collège, toi, je te baffe, c'est clair? Donc, y'a pas de chien, qu'il vous le tape autant de fois que vous voulez, je ne la laisserai jamais partir d'ici. T'es sûr? Chef, à vous. On retient. Viens, on y va. Attends, je vais prendre en Snapchat, on postera sur YouTube. Bonne idée. Attendez, est-ce que je la filme? Venez, je la filme. Ah, elle se barre. La tablette. Oh, cette grosse dégaine, là. Puis on dirait un malabar. C'est chaud, ça va. Oh my god, elle est trop drôle. C'est ça va être drôle de les harceler, les deux filles, là. On va mettre la vidéo. On va poster la vidéo. Claire. Ouais, on poste la vidéo. Attendez, on la poste sur quelle chaîne? Poste-la sur ma chaîne, elle aura plein de likes. Vas-y, c'est pas avec ce poupi dégueu. Attention, 3, 2, 1, posté. Elle est trop drôle, ça. Elle flippe, la meuf. Les gens, regarde la meuf là-bas avec son bonnet. Oh my god. Laissez-la tranquille. Tu te prends. T'as dit quoi là? Vas-y, mais répète. Hein. Répète ça et je t'en décolle une. Répète. Qu'on se batte? Qu'on se batte? Oui, bien sûr, elle veut qu'on se batte. Hein. Ne vous inquiétez pas, la petite déléguée, elle va aller voir monsieur le proviseur. De toute façon, De toute façon, t'as pas compris que t'étais qu'une bête en fait. Salut la petite peste. Oh, ça va? Oh, tu vas appeler ton papa, hein? Tu vas aller dans les jupons de ta mère, hein?
Et je filme. Bah moi aussi, je suis en train de la filmer. Allez, dis coucou TikTok. Oh, elle est née, elle est gênée. Elle pleure. Oh, elle pleure. Merde. Allez, la déléguée, casse-toi maintenant. Allez, barre-toi. Allez, on se casse. Sur les escaliers. Allez, viens. Allez, on y retourne. Mais tu vois là, meuf aux cheveux bleus là. Elle fait trop. Ouais, le chewing-gum. On va bien la choper là. Mais ouais. Propose qu'on parte du collège. De Wings, en fait. Non, mais viens, au pire, ce qu'on fait, c'est qu'on part et genre en mode on attend ce soir la filature. Est-ce qu'on sèche aujourd'hui? Parce que je trouve. Ouais, venez, on s'y prend, on y va. Ouais, vas-y, moi je me casse. Vraiment, j'ai rien à faire, moi, les groupes physiques. J'ai mis. Allez, on se voit. Au truc. Allez. Véronica? Ça va? Non. Tu vois, je suis désolée, j'ai assisté à ce qui s'est passé, j'ai pas trop compris, c'était quoi ça? Ces groupes de filles sont des horribles personnes. Monica, s'il te plaît, ne t'approche jamais de... Mais qu'est-ce que t'as fait pour mériter ça? Enfin, je comprends pas. Ils harcèlent les personnes qui sont moins élevées, qui ont moins une bonne réputation que elles. Enfin, une mauvaise... Enfin... C'est vraiment... C'est dégueulasse, quoi. Enfin, j'ai un peu écouté quand même et je suis désolée, j'ai rien fait, mais je savais même pas quoi faire. C'est terrible. C'est pas grave, c'est pas ta faute, tu les connaissais pas. En tout cas, j'espère que ça va aller. Parce que elles sont comme ça tout le temps. Oui. Presque à chaque fois que chaque élève un peu comme des intellos arrive, ils les embêtent comme si c'était des bons là. C'est... Bah, je suis vraiment désolée, hein. Je sais pas quoi dire, mais voilà, j'espère, de toute façon, là, le cours, il va commencer, j'espère que tu vas penser à autre chose et que ça va aller, quoi. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Ok, bah, t'inquiète. En tout cas, s'il y a un souci, ça va trop loin, n'hésite pas, hein, je suis là, quoi. Et Alexa, promets-moi, s'il te plaît, que tu ne vas jamais t'approcher. Ah ouais, non, de toute façon, les gens comme ça, je les évite comme la peste, hein. Bon, allez, on va en cours. Oui, merci. Putain, chiant cette école-là, putain. En plus, les devoirs qu'ils nous ont donnés pour mon premier jour, quoi. Hein? Putain, il est trop bizarre, ce quad-là. C'est quoi, ça? Bizarre, cette personne, elle est masquée. Attends, je rêve ou elle a un flingue en main? Putain, mais faut vite que je rentre chez moi, là. Oh, c'est incroyable, c'est quoi cette ville? Allez, je vais y aller, là. Je vais vite faire rentrer. Allez, c'est bon, je rentre. J'en ai marre des cours. C'est chiant, c'est long, j'en ai marre. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes qui? Bouge plus. Tu bouges plus. Oh, vous êtes qui? J'ai rien fait. J'ai pas de sous. J'ai rien. Prenez mon sac. Argent. Allez. Prenez mon sac. Il y a mes affaires de cours et tout. Il y a mon goûter même. Prenez ce que vous voulez. Est-ce que tu te rappelles de cette personne que tu as agressée dans une épicerie? Non. Soir. Ça te rappelle rien? Quoi, c'est la canette de coca? Oui, la canette de coca à la vanille, tu te souviens? Mais je te donne même trois canettes si tu veux. Non, s'il te plaît, ne me faites pas de mal. Chef, qu'est-ce qu'on fait? Numéro 3, menottes là. D'accord, pas de soucis. Je les sors, les menottes. D'abord, bande de ses yeux. Numéro 3, bande de ses yeux, maintenant. Ok. Bon, déjà, tu vas mettre les petites menottes, ma cocotte. Pas de mal. Allez, plus vite que ça. Mets tes mains derrière le dos. S'il vous plaît, je vois rien, là. Allez, ferme-la. Allez, embarque-la, numéro 3. On la ramène dans notre endroit secret? Bah non, on la met pas là-bas, non. On la met dans le pays des bisounours. Ça te plaît, c'est un peu, ça te mongole. Non, mais t'es grave.
grave, chef.